Coucou, bienvenue dans un nouveau vlog. Alors pour ceux qui ont suivi hier, je vous avais dit ce matin, j'ai rendez-vous chez l'ostéopathe. J'ai pris rendez-vous hier en urgence, elle m'a pris, tout simplement parce que j'ai mal au plexus solaire dans le dos dès l'instant où j'avale des aliments. Donc c'est un petit peu gênant si vous voyez ce que je veux dire, je mange plus trop. Ça fait flipper en plus. Donc j'avais été déjà allée voir il y a un mois pour la hernie, pour les cervicales. Elle m'avait manipulé, j'avais d'ailleurs eu des courbatures pendant 10 jours. Là, je suis un petit peu flippée. Je vais parler avant avec elle quand même, hein, pour être sûre avant qu'elle me remanipule. Parce que ça se trouve, c'est l'entre-deux. C'était la première séance. Peut-être que c'est normal et tout. Donc, on va voir ça ensemble et j'espère qu'elle va me soulager surtout. Il y a autre chose que je vais vous montrer. Je pense que vous allez être contents. Je vous le montrerai plutôt au retour. Je vais quand même vous montrer un petit truc vite fait. On aperçoit un petit bout d'alu. Je vais prendre ça avec la pince à épiler. Donc en revenant, hein, tranquillement de l'ostéo, c'est cool, ça veut dire que je vais avoir ma bague aujourd'hui, en espérant que je ne me sois pas plantée dans le choix de la taille. Et ce matin, nous avons Anne-Jackie en mode tristounet. Bah oui, j'aimerais aller dehors, moi. Mais maman ne veut pas. Alors, comment on fait? En attendant, t'es très beau. Bah ça caille de ouf, hein. J'espère qu'elle aura mis du chauffage la dernière fois, c'était il y a un mois. Quand tu es en petite tenue, je peux te dire que tu te l'écailles. Hein. Il y a du chauffage. Vous avez vu? C'est assez rigolo quand même. On n'a pas l'impression d'être dans une salle d'attente. On a plutôt l'impression d'être chez quelqu'un. Et là, c'est là-dedans en fait que ça se passe. En tout cas, les fauteuils ils sont hyper confort. Il faut savoir que quand tu sors de chez l'ostéo, t'as la tête en vrac. Hein. Je suis restée 1h10. 1h10. Donc là, c'est cool. Hein. J'ai franchement hâte de voir les résultats par rapport. Du coup, ça va peut-être pas être immédiat. Hein, là, il est quelle heure? Il va être bientôt midi. Quand je mange, hein, surtout ce que je vous disais. Ah, ça rigole pas ce matin. Trois colis. Oh, c'est top! Là, je sais pas, une box sans doute, hein, et puis... Ça m'a l'air d'être Octoly, souvent c'est des paquets comme ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc déjà, ça a duré 1h10. Je vais expliquer, hein, les douleurs, tout ça. La première demi-heure, elle m'a fait faire des exercices, elle m'a manipulé. À un moment donné, j'en pouvais plus. Là, ça m'a fait des aiguilles, ça me faisait hyper mal, je lui ai dit... Alors qu'elle est vraiment très douce, hein, mais ça a dû activer des choses. Du coup, elle en a fait d'autres pour remettre tout ça en place. Ça va mieux. Et la dernière demi-heure, c'est hyper étrange. Elle m'avait déjà fait ça la dernière fois au niveau de la tête. Je lui ai dit que je préférais au niveau du pied parce que ça m'avait fait des douleurs, mais c'est normal. En fait, elle pose ses mains sur le haut de ton pied, quoi, on va dire. Mais c'est vraiment de l'effleurement et ça pendant une demi-heure. Et de temps en temps, tu sens qu'elle fait... Elle bouge. Voilà. Je lui ai demandé quand même à quoi ça servait. Elle m'a dit que ça... Ça faisait du bien en fait dans l'état général, ça remet un petit peu les organes en place, voilà. Donc tout ça, je pourrais me rendre compte vraiment que dans 2 jours, dans 1 semaine, dans 10 jours, voir comment ça va. Bon, déjà la douleur, elle est moins présente. Au niveau de manger, je peux pas vous dire parce que là je suis rentrée, j'ai monté direct le vlog d'hier que vous avez peut-être déjà vu. Sinon, ce qui nous intéresse tous, on est d'accord, c'est d'aller regarder le petit bijou. Parce que moi perso, j'en peux plus. Là, on le voit quand même très nettement. Ah oui, ça va pas être si facile que ça. Bon, je vous pose, ça sera plus simple. Bon, j'ai un peu galéré, je crois que je l'ai pris un peu trop tôt. J'ai pas été patiente, j'aurais dû attendre. On a quand même en fait, le certificat, donc c'est des cristaux Swarovski, le petit code pour connaître un peu la valeur et la bague. Bah, alors, je vous le dis clairement, je suis choquée par la beauté du bijou, mais c'est du délire. Mais ce qui est vraiment cool, c'est qu'elle me va parfaitement. Hein. Oh, elle est belle. Ah non, mais quand je vous dis que je suis choquée, je m'attendais pas à un tel bijou, quoi. Oh là 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 là, oh là là. Quelle beauté. Ah bah t'es là, toi. T'es là, ma petite puce. Ouais, ça m'a donné envie d'aller voir justement sur le site la valeur du bijou. Entrez le code ici pour le découvrir, d'accord? On va regarder ça. Donc le PV8RJA.
Attention, et là, ça va s'afficher. €100. Waouh! Quand même, hein? Et on peut constater une fois de plus que la partie tournage bureau est super bien rangée, hein? Ouf. Par contre, là, tout ce qui est partie bureau informatique, ça va. En général, ça, c'est pas mal. Même si je commence à accumuler des petits bibelots. Ah oui, si, il fallait que je vous montre justement. Attendez. Concernant la place du coussin. Moi, je trouve que ça fait beau. Ouais, c'est sympa, hein? Ça rend bien. Sur ce petit canapé effet cuir. Non, non, c'est classe. Je le laisse là, j'aime bien. Là, je vais faire mon petit thé, prendre des forces parce qu'après, on va faire les coursettes. Bon, comme c'est samedi soir, c'est sushi. Ça, c'est des raviolis japonais. C'est excellent. Et bah moi, j'aime bien les simples, c'est thon et avocat. Ça, comme je vous disais, c'est vraiment, vraiment, vraiment mon petit péché mignon. J'adore. Puis le reste, bah, on s'en fout un peu. Hein, mais je vais ranger. Bon, bah, je crois que ça commence à agir là. J'ai mal dans les jambes. Ça me fait des coups dans la tête. Je suis réceptive à ça, moi, c'est pas possible. En fait, ça me fait comme de la croissance, voilà, dans les jambes, c'est du délire. Ça fait même pas un jour, et déjà, donc j'appréhende vraiment, vraiment, vraiment. Après, je me dis que si c'est pour que ça fonctionne et que ça aille mieux, je suis prête à attendre. Du coup, là, je voulais monter le vlog que vous êtes en train de regarder, mais non, je le ferai demain matin, tant pis, je me lèverai plus tôt, je ferai ça demain matin. J'ai aussi une face cam à faire de présentation. Pour l'instant, ça va être tranquillou. Je vais manger mes sushis. Et puis, bah, je regarde autour avec les stars. Quoique, je sais pas, on verra. Je pense que je vais vous laisser là. C'est pas je pense, c'est même sûr. Je vous fais un gros bisou. J'espère que ce vlog vous aura quand même plu. Je vous invite quand même à liker, à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à demain dans un nouveau vlog. Salut!